Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'Assemblée Générale de l'EPFL, comme tous les ans à la même époque, où nous réunissons l'ensemble des collectivités adhérentes à l'EPFL, les techniciens avec qui nous travaillons sur les projets quotidiennement, et puis les partenaires qui nous accompagnent pour l'élaboration des projets des collectivités locales. Nous réunissons à peu près 250 personnes aujourd'hui et nous allons traiter de l'ensemble de l'activité exercée, puis discuter également des projets à venir pour l'année 2018. Pour nous, l'année 2017 a été particulière puisque, à la demande de nos collectivités, il a fallu développer une ingénierie un peu plus étoffée, ce qui nous a amené à recruter du personnel très qualifié, en particulier une ingénieure en environnement pour traiter les problèmes de dépollution, un spécialiste de l'économie de l'immobilier touristique en station, puisque nous étions très sollicités sur ces thématiques, ce qui fait que nous avons été amenés à déménager dans des bâtiments neufs à la Cassine avec des partenaires avec qui nous travaillons régulièrement, qui sont la ZADAC, MDP, le CAUE, donc une ingénierie qui est vraiment concentrée au même endroit. Pendant cette Assemblée Générale, je développerai un petit peu tous les dossiers que nous avons suivis sur l'année 2017, en particulier les dossiers qui nous ont amenés à travailler sur le bassin d'Albertville. Nous avons pu aussi terminer plusieurs chantiers de démolition que nous avions engagés à la fin de l'année dernière, en particulier sur le futur parking de l'îlot Ravet à Chambéry. Nous parlerons également des projets que nous avons pour 2018, c'est-à-dire les sollicitations qui nous sont déjà parvenues des collectivités, en particulier sur la commune de Moutiers où on travaille à la rénovation du centre-bourg, la redynamisation du centre-ville de Moutiers qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'énergie. Nous travaillons également sur des grands projets urbains, sur Albertville et bien sûr sur l'agglomération ou de Grand Lac ou de Chambéry puisqu'on travaille beaucoup sur la Cassine aujourd'hui. Et puis bien sûr nous finirons les dossiers de démolition, nous avons une quinzaine de chantiers aujourd'hui engagés, des petites et des grandes qui nous permettront de présenter des assiettes foncières propres aux collectivités locales pour élaborer leurs projets. Ça fait plusieurs fois, puisque je suis élu depuis 2014, que je viens aux assemblées générales de l'EPFL. J'y viens toujours avec grand plaisir parce qu'elles sont à la fois très concrètes, très techniques et très pédagogiques. On en repart toujours très enrichi. L'avantage de faire appel à EPFL, c'est la maîtrise du foncier. C'est la première fois que je venais, j'ai trouvé que c'était très intéressant, qu'il y a un panel d'activités très large et que manifestement, c'est un outil qui correspond bien aux besoins des collectivités. C'est une aide aux élus qui ont beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations et qui ne savent pas comment gérer certains problèmes. Et l'EPFL apporte des réponses. C'est un organisme qui est très porteur et puis qui sait travailler avec beaucoup de partenaires. Et vraiment, je pense que c'est un enrichissement et les collectivités devraient vraiment être toutes adhérentes, je trouve.